Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour le 11e épisode de Pick All Blocks saison 2. 11e, bah peut-être qu'on va essayer de battre le record hein, cette fois. Essayer de pas mourir, hein, parce que la dernière fois j'étais mort en 11e épisode au bout de 2-3 minutes, un truc comme ça. Ça a été bien la loose. Alors, je vous avais laissé la dernière fois en train de construire la base du musée, hein, ça avançait plutôt bien. Et je vous avais dit que dans cet épisode nous allions partir. Nous allons partir en exploration, tâcher de trouver un désert ou quelque chose comme ça, histoire de trouver les dernières ressources extérieures qui nous manquent, et pourquoi pas de tomber sur un village ou quelque chose comme ça, histoire de trouver peut-être dans une forge des diamants ou même des selles de chevaux, indispensables, hein, trouver dans des temples, ce genre de trucs. Alors, est-ce que je suis prêt? Deux pioches, des blocs, du bois. De la nourriture, peut-être pas assez, j'ai du fer au cas où, j'ai une stone axe qui va bientôt crever, water bucket c'est bon, des torches, de quoi en faire. Est-ce que je peux pas prendre un petit peu plus de nourriture? Vous savez quoi, on va prendre ça au cas où, mais je pense que ça devrait largement aller. Ce qu'on va faire, on va noter les coordonnées déjà. Je prends un petit bout de papier. Excusez-moi, ça a arrêté de bouger pendant quelques instants. Donc, x égale 1075. Y égale 63, à la limite Y on s'en fout, et Z égale 910. Ok, histoire de pas se paumer comme le dernier épisode, c'était un peu la loose d'ailleurs. Et je pense qu'on va aller, on va aller, on va aller vers le sud, on va aller par là-bas. On va aller par là-bas et on va essayer de trouver. Est-ce que c'est vers le sud, tiens d'ailleurs? Ah non, c'est l'est, quelle patate. Oui, bah normal, le soleil se lève par là. Céleste. Donc on y était allé, je me souviens, pour essayer de trouver des moutons, mais en fait. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug à cause d'une page d'internet qui s'est ouverte toute seule, je sais pas trop pourquoi. Ça me fait ça depuis une bonne demi-heure là déjà. Et je crois que j'ai enfin fini par arriver à régler le problème. J'espère que ça ne posera plus de problème. Bon alors, donc on a dit qu'on allait vers l'est, c'est ça? East. Ouais. Là bas c'est le sud, là c'est le nord, on va vers l'est. Allez, c'est parti. Donc on part en exploration, je le rappelle. On part en exploration objectif. Objectif c'est. Oula. Clairement, il faut trouver du cactus. Du cactus, les derniers arbres qui me manquent. Donc celui de la. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il manque? Il manque du bouleau, je crois. Il manque du bouleau ainsi que les pousses de bouleau. Ah oui, tiens, un truc, est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai pris, est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai pris des. Comment ça s'appelle? Les cisailles. Parce qu'il va falloir qu'on récupère ces. Les plantes, enfin les feuilles, voilà, je vais y arriver, dis donc. J'ai un peu de mal. Le PC, j'ai l'air d'un peu mieux chargé que la dernière fois, je sais pas trop pourquoi, peut-être parce que je suis déjà passé par là. Ah! Ah, c'est marrant. Il est bizarrement placé que de lave, hein. Ah. Bon, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Y'a pas cassé. Allez, on avance. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oula, là je vois surtout que je vais me casser la figure royale. Et si je pouvais ne pas mourir dans cet épisode, ça serait sympa. YOLO! Je suis un peu le fifou là. Oui, on va peut-être redescendre quand même. Hein. Là-bas, il y a quoi? Là-bas, il y a quoi? Là-bas, il y a quoi? J'ai pourtant pas mis d'arche biome à la création. Hein. Et pourtant, waouh. Donc là, il y a des moutons. Il serait peut-être intéressant de les cisailler. C'est de la laine grise. Alors, attends-moi, toi, le bouton. Je pense que tu vas prendre. Hop. Ok. Ça c'est bon, tiens je vais virer ça aussi, ça me sert à rien. Hop. On tond un peu les moutons parce que je vais avoir besoin de pas mal de laine pour faire toutes les couleurs. Et si je pouvais avoir de la laine en rab de base, ça serait sympathique. 12. Ouais, 12 c'est déjà pas mal. Ah oui, mais il y a les carpettes à faire après. Donc là il y a un trou. Il y a du fer, mais à la limite on s'en fiche. Il y a les carpettes à faire aussi. Ah, j'y avais pas pensé, donc il va falloir quand même
minimum de laine. Oh. Ah, tiens, il a repoussé sous mes yeux. Hop, il a l'air d'avoir du monde dessous, je sais pas trop où. Alors. Donc on est parti pour au moins quelques jours, hein, au moins quelques jours. C'est-à-dire au moins 2 épisodes, je pense. Ah, il y a des trucs que je connais pas encore. Je crois que je connais pas. Il semblerait que l'on change de biome. F3, je suis dans le biome rivière. Taïga, taïga, taïga. Est-ce que c'est ce que j'ai celui dans lequel j'étais juste avant? Je crois, je suis pas sûr. Oh, évidemment, c'est pas un biome super intéressant. Je suis toujours à l'est là. Ouais, toujours à l'est. Non, c'est pas cette touche là. Voilà, tiens, il y a de la lave là-bas. Ok, c'est toujours pas franchement le biome que je cherche. On va quand même avancer, hein. On perd rien en avançant. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a des moutons par ici, de la lave là-bas. La lave qui est en train de tout cramer, si je vois bien. Non, non, même pas. Ah si, quand même. Quand même des trucs qui crament. Oula, j'ai quelques lags. Je m'en excuse. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que mon PC est suffisamment puissant normalement pour pas avoir de lag. Alors, qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il là-bas? Là, il y a un trou. Oh wesh, ça c'est gros hein, comme trou. Alors on va essayer de voir ce qu'il y a. Ah bah tiens, chercher du boulot. Le voici. Hop, c'est-à-dire ça a libéré une place. C'est nickel. Donc il me faudrait. Non, c'est pas ça. Cisaille. Voilà, on prend quelques arbres, enfin quelques feuilles. Voilà, on fait pareil ici. Et ensuite, il me faudrait bah, la pousse. Bah voilà, nickel. La pousse avec. C'est nickel. Donc, faut que je monte là-haut. Je peux passer par là, je pense. Alors, le soleil va pas tarder à se coucher dans pas longtemps. Enfin, non. On a encore un peu de temps, hein, donc. Avant de creuser un trou, s'enfermer, poser le lit et dormir. On va continuer à avancer. Oh mon dieu! Bon, si ça pouvait charger, ça serait sympa à voir. Ça, c'est de la montagne. Hein. Oh! Ça a du mal à charger quand même. Hein. Oh la vache! Ça a un peu de mal à charger. Tiens, des chiens. J'aurais peut-être dû prendre des os. Est-ce que j'en ai pris? Évidemment que non. Ah, il commence à faire nuit. Alors attendez 2 secondes. Hop. Hop. On va mettre un bloc pour fermer. Nye, nye, voilà. Et dodo. Nickel. Alors. Là, on fait gaffe. Il y avait un trou en plus, j'avais pas vu. Alors, est-ce que ça a fini de charger? Ça serait, je pense, suffisamment joli. Ah, bah voilà, nickel. Oh my god, ça c'est de la montagne. Ouf. Ah ça pour le coup. Ça c'est quoi comme biome? Extreme Hills. Ah là pour le coup c'est extrême, hein. C'est assez monstrueux. C'est assez monstrueux, c'est assez monstrueux. On va essayer de monter. Ça fait Mordor un peu avec la lave. Donc il y a de la neige. Putain, ils ont changé les Extreme Hills, elles étaient pas comme ça avant. Hein. Aïe, oui, on va me casser les pattes. Mais enfin, c'est toujours pas ce que je cherche, hein. Décidément.
Oh la vache, il y a une superbe arche là-bas. Ah, c'est monstrueux. C'est super beau. Hop. Prendre de la laine grise aussi. Ah, de la... Ah, yes! Il me fallait une autre citrouille. Bah, là, voilà la citrouille. Là, faut se méfier. Oh, c'est beau, ça. Oh, que c'est beau. C'est magnifique. Franchement, là, j'ai... J'ai rien à dire. La citrouille! Et je suis déjà presque blindé. Oh la vache, c'est super beau. Bon, par contre, la lave sur les bords fait un peu bizarre, ça fait un peu tache, je trouve. Eh ben, dis donc. C'est absolument magnifique. Alors là, si ça pouvait charger, je pense qu'on aurait aussi. Oh mon Dieu. On aurait aussi une belle vue si ça voulait bien charger. Surtout que ça charge tellement lentement qu'au final, je sais pas du tout si on est en haut ou en... d'une colline ou pas. Ah, bah voilà. Oh my god. Oh, il y a quand même un trou là. Oh my god. Ouf. Attendez, je me replace sur la chaise. Ah, d'accord. Il y avait quelque chose devant. C'est un peu dommage, le PC qui lag comme ça. Hein, c'est dommage, c'est dommage. C'est immense. Là, j'aimerais bien avoir un deltaplane comme dans Cube World et faire jouh, un petit saut là-bas. Parce que là, on va devoir se taper le voyage à pied. Aïe. Alors, est-ce que je peux sauter de cette corniche? Ouh, ouh. Oh mon Dieu. Oh l'abruti. Qu'est-ce que je suis un abruti? Mais c'est quoi cette mort à la con? Eh ben décidément, je ne passerai pas le 11e épisode. Je sais pas, je dois être maudit. Là c'est vraiment... Quel abruti. Oh. J'ai été trop téméraire en fait. J'étais vraiment trop téméraire. Et du coup, oh, quel idiot. Mais à croire que je le fais exprès en fait, à croire que je le fais exprès. Bon bah ça y est, 11 épisodes, même pas. Quoique, je crois que la dernière fois j'étais mort au bout de 5 minutes, mais je crois que là je suis mort au bout de 10 minutes. Record battu. Record battu. Comment dire? Je suis dégoûté là, je suis vraiment dégoûté. Je suis même pas mort par un mob en plus quoi, c'est n'importe quoi. Puis j'étais super bien parti, super parti et tout. Avec un bon équipement, plein de fer, plein de blocs, j'étais prêt. Oh bah décidément, j'ai vraiment une bouse. Alors peut-être que je ferai une saison en revanche. La dernière saison, la saison numéro 3, je la ferai en mode revanche. C'est-à-dire que j'aurai tellement la niaque, il faudra que je fasse au moins le début du musée, parce que là, c'est un peu la merde. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour cette fin merdique au possible. Mais bon, il faut une fin à tout. De toute façon, j'ai pas fait exprès. Vraiment pas. J'ai vraiment pas fait exprès que ce soit au 11e épisode que je meurs. Je le voulais pas d'ailleurs. J'étais vraiment chaud pour continuer. Parce que là, pour le coup, j'étais super bien parti. Mais alors, il faut croire qu'il m'en veut. Il faut croire que le jeu a l'air de m'en vouloir un peu. Et puis, je joue comme une patate. Je joue vraiment comme une patate. J'ai beau avoir 2 ans de Minecraft dans les doigts. Ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partager cette série avec vos amis, sur les réseaux sociaux, etc., etc. N'hésitez pas hésiter à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ne pas hésiter aussi à m'incendier, parce que là, pour le coup, c'était vraiment une mort à la con. Vous avez tout à fait le droit de me gueuler dessus. Que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre? Je suis désolé. Je suis désolé. C'est nul. C'est vraiment nul de ma part. Mais bon, voilà. Bon, et ben j'espère qu'en tout cas vous retrouvez pour une prochaine saison. Dans 4 jours, je commence ma nouvelle saison. Alors je sais pas trop encore ce que je vais faire. Parce que là je tourne au moment où je dis ces mots. Il y a encore 1 mois et demi, voire 2 mois avant que cette vidéo-ci sorte. Donc j'ai le temps de réfléchir sur mon prochain let's play. Alors je pense c'est soit du Factorio, soit du Mounted Blade. On verra. Peut-être une série Factorio, je suppose. On verra. On verra, on verra. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour le prochain Let's Play. Et bah, du coup, que je ne connais pas non plus. Vous le savez peut-être, mais moi pas. Mais voilà. Enfin, j'espère vous retrouver une prochaine fois.
Allez, à la prochaine, salut à tous!